américain. Alors, vous savez sûrement ce que c'est. Bon. Rasputin a, en 25 ans d'existence, commis une centaine de concerts. C'est toi le chien. Tous regroupés autour de deux frangins fondateurs. C'est une affaire de famille. J'espère que je suis tombé sur le bon site. Hein. Parce que du Rasputin, il y en a sur Internet, je peux vous le dire. Hein. Et donc, on parle d'un rock puissant pour taper du pied au sommet des barricades. C'est ça. Rasputin, jusqu'où irez-vous? Maintenant, je vais passer à Aiden. En frappant Aiden sur Internet, on découvre d'abord que c'est des gens très bien qui habitent Montivier. Alors ça, c'est des gens très bien, parce que j'habite Montivier aussi, forcément pas des méchants garçons. Aiden est un groupe pop-rock composé de trois musiciens, peut-être évolué, mais c'est ce qu'il y a sur votre site. Hein. Ces derniers parcourent la scène musicale depuis près de 20 ans, au service de divers artistes depuis de nombreuses années. Alors, composition, écriture, concert, festival, des foulards, quoi. David, auteur, compositeur, interprète, il vous fait de tout, quoi. Voilà, Aiden. Alors, amoureux de la langue française, notamment des poètes du 19e siècle. C'est un peu réducteur, mais c'est déjà pas mal. Amoureux de la langue française, alors Aiden vous fait découvrir des textes poétiques alliant à la fois la mélancolie et percussion, le tout alimenté de mélodies pop-rock à cochon. Voilà. Jusqu'où irez-vous, Aiden? Bon, alors, après, j'ai quand même essayé de frapper Carpe Diem sur Internet. Alors, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de Carpe Diem, mais pour trouver le bon, il faut vraiment s'accrocher. Donc, Carpe Diem, association musicale essentiellement vouée au rock and roll, concerts, enregistrements, etc. etc. Bon. Mais il n'y a qu'un défaut, ce sont des gens d'Harfleur. Donc vous connaissez le léger antagonisme entre les gens d'Harfleur et les maqueux d'oreilles. Mais bon, on oublie ça, c'est de la vieille histoire. Donc merci à tous les artistes, merci aux bénévoles, merci à la ville d'Harfleur, CCAS. À l'association Carpe Diem et soyez convaincus qu'on va utiliser ces 1000 euros c'est ce 1000 euros qui iront directement au bénéfice des usagers. Voilà, merci beaucoup. Merci.